reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs. Bienvenue sur un support. Ceci est la première vidéo de la semaine. Pour nous soutenir, laissez un j'aime. Si vous voulez nous soutenir par le temps, dans la description, vous trouverez un lien qui vous dirigera vers nos informations bancaires. Bien. Depuis la semaine dernière, j'avais envie de vous parler de ça, mais je n'avais pas eu le temps ni l'opportunité. Mais aujourd'hui, je pense que on doit se dire les vraies choses. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi vraiment très bien. Le diable exerce son pouvoir à partir des hommes riches de la terre. Le diable exerce son pouvoir à partir des hommes riches de la terre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ok. On a appris récemment que les hommes riches de la terre, les hommes les plus riches, se réunissent quelque part pour causer. Mais ils causent de quoi? Tout le monde cherche à savoir de quoi ils parlent. Tout le monde cherche à savoir de quoi il est question. Mais personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Des journalistes américains ont mené des investigations pour se chercher à savoir ce qui se passe. Ils ont même payé les serviteurs des gens qui sont là-bas pour essayer de soutirer le moins d'informations. Mais le plus grave dans cette histoire, c'est que à cette réunion se trouvent même des gens qui sont comme des rois sur la terre. Les chefs d'État, les présidents, comme on dit, les chefs d'État, les présidents, les patrons de l'argent, ceux qui gèrent l'argent mondial, la thune du monde entier, ou de chaque secteur, quoi. Celui qui est responsable des finances de ton pays, là. S'il est très puissant, il sera là-bas, forcément. Ça veut dire que toutes les personnes qui arrivent à ces jeunes réunions-là sont des gens puissants dans leur domaine. Oui. Que ce soit dans l'armement, dans l'armée, ce sont des gens hautement élevés qui viennent à leur réunion. Une réunion classée secrète. Le savez-vous? Le savez-vous? Une réunion classée top secret. Mes frères et sœurs, je vais vous le dire. Je vais vous dire un truc. Quand ces gens-là viennent et qu'ils se réunissent, ils parlent de quelque chose. Même si personne ne sait, moi je sais que ils se réunissent pour adorer le diable. Ça fait un. Deux. Ces gens-là se réunissent pour prendre des décisions qui ne vont pas nous arranger, nous tous ici. Ça fait deux. Trois. Ils ne nous aiment pas. Eux, ils nous voient comme des gens à éliminer, quoi. Parce que, selon même les informations qu'on a reçues, j'ai appris que ces gens-là veulent réduire la population mondiale à 500 millions. Alors qu'on avoisine les 7 milliards. Mais comment vont-ils faire cela? Comment vont-ils s'arranger pour faire ça? Ha! Des chercheurs ont fini par avoir le code. Ils ont dit que ces gens-là comptent mettre des substances bizarres dans l'eau, dans l'eau qu'on boit. Afin que quand on va boire cela, ça puisse vraiment nous affaiblir et que nous puissions mourir one by one ou que nous puissions mourir à petit feu.
C'est-à-dire que ces gens-là vont travailler, créer de ces maladies bizarres, balancer dans le monde, créer des crises, afin de pouvoir commencer à éliminer les gens, parce que eux, ils veulent réduire la population mondiale jusqu'à 500 millions de personnes ici. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et ces gens-là sont sûrs de ce qu'ils font. Et ils ont les moyens. Ils ont l'officier commandant avec eux. C'est-à-dire le diable. Le diable leur donne des informations. Il les guide sur comment ils vont faire. Ces gens-là, possédés, ils arrivent là-bas à leur réunion. Et ils se mettent à prendre cette décision. Quand vous les voyez le matin, ils sont habillés comme moi. Ils sont habillés comme ça. Bien en veste, tranquille. Ouais, trois pièces. Et puis, ils ont l'apparence des gens rigolos, mais déjà à faire confiance. Mais quand vous ouvrez la porte de leurs âmes, c'est que du grand n'importe quoi là-bas. C'est que du grand n'importe quoi. Des choses qui n'ont aucun sens. Ils sont noirs dans leur cœur. Et ce sont ces gens-là que le diable utilise pour pouvoir montrer au monde que lui, c'est lui qui domine le monde. Le diable les passe par eux. Ces gens-là sont possédés par les démons du diable et même par le diable lui-même. Du coup, quand vous les voyez, vous voyez le diable. Et ils font exactement ce que le diable compte faire ou bien veut faire, ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, c'est comme si c'était le diable qui était là. Pas de différence. C'est étrange. Il y a beaucoup de présidents qui sont dans la Frama. Vous connaissez, dans cette secte-là. Frama, vous connaissez. Et ces présidents qui sont dans cette secte-là, on leur dit que vous êtes ici, tout ce qui se passe ici reste ici. Si ça sort, on vous coupe la tête. C'est-à-dire que ces présidents-là, ils ne vont pas, ils vont jamais désobéir à tout ce que ces gens-là vont leur dire. Donc, ils peuvent désobéir au peuple, mais pas désobéir au diable. C'est ce que ça veut dire. Et tout ce que le diable va lui demander de faire, c'est ce qu'il va faire. Ce diable lui demande de vendre le pays, va toujours gagner. Et en eux, quand il s'agit de faire les affaires, c'est très facile. Le diable peut détruire cet homme-là, peut détruire les maisons des gens pour donner cela à l'un de ses collègues qui fait partie de la même secte. Et personne ne va parler. Parce qu'ils se disent qu'ils dominent le monde. Ils dominent le monde entier. Et ces gens-là sont en train de courir après les richesses du monde. Les richesses du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'ils trouvent que chez toi en Afrique, là, il y a beaucoup de bonnes choses sous ta terre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à aller négocier avec toi pour pouvoir prendre ce qui est en bas. Si tu refuses, tu vas apprécier. Ils vont créer le terrorisme chez toi. Ça va quitter n'importe où ça va venir chez toi. Ou ils vont créer, vont envoyer une maladie chez toi. Ils vont faire des complots pour pouvoir amener une maladie chez toi. Pour que ton économie soit bouleversée. Quand ils vont créer des soi-disant terroristes pour envoyer chez toi. Ces gens vont commencer à tuer les gens n'importe comment, faire des bêtises. Tu vas te sentir affaibli, non? Si tu n'es pas fort d'esprit. Et c'est là, beaucoup cèdent à l'autorité des gens du diable. Et ces gens-là sont eux qui gouvernent le monde. Ils gouvernent le monde. Ils gouvernent le monde. Oui. Oui. Pendant que vous êtes là tranquillement, je vois des moyens de la bonne nourriture. Pendant que des gens sont en train de faire des complots en secret pour votre destruction. Que se passe-t-il quand vous êtes en train de manger ou bien en train de vous balader ou même travailler? Qu'est-ce que le diable essaie de mon fond? Même quand vous dormez, qu'est-ce que le diable essaie de mon fond? Croyez-vous que ces gens-là dorment? Dieu nous dit qu'ils sont là et ils sont effectivement là.
Chaque jour que Dieu fait, ils font des complots pour la destruction du monde. Ils veulent tous nous détruire. Même souvent là, pour détruire un seul chrétien, le diable peut tuer 10 000 sorciers. C'est-à-dire, si vous êtes si dans un cas avec des sorciers, à cause de toi seul, le diable peut lancer une missile sur tout le monde dans le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, pas toi là, tout le reste, ce sont des sorciers qui sont dans les cas, ce sont des zombies, et puis tu es dans un cas avec des zombies. Hey! Vous voyez ça? C'est vraiment triste ce qui se passe dans ce monde, mais quelqu'un doit vous révéler ça. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour parler pour vous. Vous préparez à organiser votre mariage. Vous êtes dans les préparatifs de votre mariage. Mais elle se prépare de tout le monde entier. Vous allez aller où? Où vous allez faire mariage là? Le diable est méchant. Hein? Je dis, mais attends. Donc, il veut créer des problèmes dans le monde entier. Il veut créer des problèmes dans le monde entier. Puisqu'il veut créer des problèmes dans le monde entier, qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous devons faire? Des gens ont déjà commencé à s'apprêter. Hein. Les gens ont commencé déjà à se préparer. Hein. Les gens ont commencé déjà à dire que, bon, puisque c'est ainsi, nous allons commencer à vraiment prendre possession des terres, même occuper des postes les plus importants dans ce monde, afin de pouvoir contrer toutes les grandes décisions mauvaises que ces gens vont prendre. Et la guerre a commencé. Mais en silence pour le moment. On voit les pays qui s'arment. Et en sortant, ça a mis ses mains. Ils font de nouvelles technologies, créent de nouvelles technologies. Ils s'arment. Quand tous ces pays, ces grandes puissances-là vont s'armer jusqu'à ça va déborder là. Quand ça va déborder, comme l'eau qui déborde le vase, il y aura guerre. Ça, c'est ce qui va se passer. Il y aura guerre. Guerre, c'est-à-dire que ce sera le monde entier encore. Ils vont commencer à se battre. Ce qu'ils vont faire là, gens se battent là. Vous avez dit que toutes ces grandes puissances sont en guerre, c'est la guerre mondiale. Mais en réalité, eux là, c'est une guerre qui les intéresse, qui est important pour eux. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est de tuer les gens, c'est tout. C'est pourquoi ils vont organiser toutes ces guerres, ces bombes partout, lancer dans tout, les bombes atomiques ou les bombes nucléaires, lancer à gauche et à droite. C'est pour tuer le maximum de personnes seulement. Pour tuer le maximum de personnes. Une partie sera offerte comme offrande au diable. Et quand il y aura maintenant une faible population, ils vont faire quoi? Ils vont venir piller les ressources des gens. Piller les ressources de certains pays. Et devenir encore plus riches. Ces gens-là même cherchent même à trouver le moyen de ne jamais mourir. C'est-à-dire, ils veulent changer leur sang, remplacer leur sang par un sang plus jeune. Et puis, toujours vivre. Pour pouvoir faire du mal aux gens. Pour pouvoir faire du mal à la population. Vous n'avez pas remarqué que les gens mauvais ne meurent pas vite. Vous n'avez pas remarqué? C'est parce que le diable les possède. Les démons les possèdent. Un démon ne meurt pas vite. Toutefois, c'est Dieu qui décide aussi. C'est Dieu qui décide. Le savez-vous? Donc le diable va utiliser ces gens-là. Qu'il possède déjà. Afin de monter son autorité aux êtres humains ici dans le monde. Afin de nous montrer son autorité et afin de nous montrer sa puissance. Ce n'est pas de la blague. Vous voyez ça? En bloquant tout. Regardez, quand il y a un problème dans un pays, par exemple au Mali, là, on dit quoi? Les gens prennent des décisions. On dit qu'on met embargo ici, on bloque les gens, on bloque certaines choses ici, on bloque certaines choses. Regardez ce qui se passe au Mali. Les gens du Mali, les nouveaux dirigeants du Mali disent que, ah, toi, vous là, vous êtes nos gars, non? Comment se fait-il que vous voulez tout bloquer chez nous? Mais, eux s'en foutent. Quand ils disent qu'ils vont bloquer les choses, ils vont faire ceci, empêcher certaines choses, que se passe-t-il? Quand ils prennent ces décisions, est-ce qu'ils pensent au peuple? Eux s'en foutent du peuple. Ils voient le peuple comme des gens qui vont les voter bêtement, sans savoir que c'est un complot qui a lieu.
puisqu'il est intéressé par votre thune. Combien vous utilisez pour avoir de l'argent? Mais quand le système est bloqué à cause d'une personne qui est venue prendre le pouvoir ou renverser les choses, ils font des trucs bizarres, des trucs bidons. C'est là que vous voyez les vrais visages. Ce que vous appelez les présidents, les gens responsables, les gens à respecter, tous ces gens-là, ce sont des fondus, ce sont des faux. Regardez le coin. Et puis, dites. Et c'est tout. Quand il y a un problème, criez Dieu. Appelez Dieu à votre aide. Mais n'appelez pas le président, ni le gouvernement. Aucun gouvernement du monde. N'appelez aucun gouvernement. Je vous le dis, hein, si vous vous abusez, va appeler le gouvernement à l'aide ici, 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 là. Dieu va vous laisser tomber. La personne que vous devez appeler, c'est Dieu. Et vous, monsieur le terrain, battez-vous pour pouvoir faire régner l'ordre, pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir changer les choses. Si vous voulez compter sur eux, ce que vous demandez en retour. Mais vous allez commencer à chanter. Que c'est-il un homme qui gagne le monde? S'il paie, paie, paie. Son âme, paie, paie. Vous allez venir m'évangéliser ici même vous-même. Voici dans quoi nous sommes, où nous sommes en train d'entrer. C'est-à-dire que là où on va même dans le monde, là-bas, ce sera bizarre. Il y aura un semblant de paix, un semblant de développement jusqu'à ce qu'un jour, boum, boum. Ça veut dire que nous ne devons pas nous accrocher à ce monde, ni aux choses de ce monde définitivement. Parce que toutes ces choses vont disparaître. Si Dieu t'a donné la nourriture, tu as mangé bien, tu t'endors. Tu dis merci Dieu. Merci Dieu parce que tu m'as donné beaucoup de choses aujourd'hui. C'est tout. Selon les choses comme les voitures de luxe, la maison de luxe, ne coupe pas après ça. Ne t'accroche pas à ça. Ne t'accroche pas à ta maison. Ne t'accroche pas à ta voiture. Ne t'accroche pas à toutes ces choses que tu vois dans ce monde. Ces choses sont éphémères. La chose que tu dois chercher à développer là, c'est ton contact avec Dieu, ta communication avec Dieu. Parce que de ces moments difficiles, les gens auront les regards tournés vers Dieu. Quand il y a guerre, les gens auront les regards tournés vers Dieu. Donc, pendant qu'il n'y a pas de problème, développe ta communication avec Dieu. Comme ça, là. Dès que ça arrive, les discussions sont là. Dieu te parle maintenant direct, et tu avances. Grandissez spirituellement. N'attendez pas les problèmes pour pouvoir réagir. Moi, voici ce que j'ai découvert que je viens vous donner. À vous ici, mes frères, de Nyons. Oh, non, officiel. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Peut-être que j'ai fait une autre vidéo pour répondre à tout le monde. Faites très attention. Ce monde-là, c'est pas un bon monde. Ce monde où nous sommes, c'est définitivement pas un bon monde. Je vous assure. Je vous assure, hein. Je vous assure. Si vous voyez chez vous, il y a d'autres personnes qui pleurent chez eux. Quand vous pleurez chez vous, il y a d'autres personnes qui rigolent chez elles. Ça, c'est un monde, ça. Est-ce que ça, c'est un monde? Dites-le-moi. Que Dieu vous donne la sagesse. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, c'est tous mes liens où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire. Nyons Bonne 3. Application sur Bonne. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nyons Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.